c'est ça. Dis-lui bonjour de ma part. Demeurez avec nous, les 100 watts, Marc-André. Oui, je vais dire ça à Robin. Amuse-toi bien. Moi aussi, je t'embrasse. Papa, c'était qui au téléphone? C'était Violette. Est-ce qu'elle a dit à quelle heure elle revenait? Mais c'est un peu pour ça qu'elle appelait. Elle a décidé de rester 2 jours de plus chez sa sœur pour donner un coup de main avec le bébé. 2 jours? Disons le temps que ça va prendre. Ah bon? Violette t'a fait dire un beau bonjour, mon Robin. Bonjour. Mais voyons, Robin, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? On va passer la journée ensemble, tous les deux, toi et moi. Je reste ici pour travailler toute la journée. Oui, je suis content. Bon, ben, je vais aller me faire un beau café. J'ai justement parlé de mon idée avec ma mère. Je suis sûre qu'elle, là, elle aurait dit oui. Là, j'ai pas le choix. Je suis obligée d'en parler avec mon père. Bon, hé, tout ce qu'il faut. Hé, papa, je voulais te demander. Papa, c'est parce que je voudrais aller quelque part, hein? C'est une place que je connais. Ils vont donner la chance aux enfants. Ben, ils vont passer des auditions, là. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Papa? Quoi? Ben, je te demande qu'est-ce que t'en penses. Ben, qu'est-ce que je pense de quoi? Rien. Rien. Bon, faut que j'essaie encore. Oh, comment je vais faire? Papa? Oh, ben, est-ce que c'est trop te demander de comprendre que c'est pas le moment, là? Je suis en train de faire quelque chose d'important. Mais moi aussi, c'est important, c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ah, t'as pas à t'inquiéter, Robin. Je suis là pour tout. Premièrement... Les biscuits! C'est extraordinaire! Quoi? Oh, mais c'est une nouvelle calculatrice japonaise! Oh, l'objet idéal pour un comptable comme moi. Super minuscule, super puissante! Voyons, Robin, ça t'intéresse pas ce que je dis? Oui, oui. Super minuscule, super puissante, oh, super mémoire! Hein? Super prix aussi. Enfin. Papa, tu le sais que ça fait longtemps que ça m'intéresse de raconter des histoires. Mmh. Bon, c'est juste pour essayer, là. C'est juste pour le plaisir. Mmh. Bon, c'est sûr, il faut passer une audition, là. Puis, est-ce que je peux y aller? Allez où? Oh! Moi, j'ai essayé d'en compter quelques-unes, mais ça n'y a pas beaucoup. J'aurais bien aimé voir ça, moi. Mais Robin, lui, là, il était assez drôle. Quoi? Ah! Hey! Je reconnais ma pelle, là. T'aimes ça rire, toi? Ah, ben, tiens, c'est Robin. Allô, Robin! Comment ça va, bon Robin? Pas mal. Hé, hey, mais prendrais-tu quelque chose? Un bol de céréales, tiens. Ah, merci. Alors, comme ça, mon cher Robin... Il paraît que tu fais rire tout le monde au Club des Clubs. Oui, c'est moi qui l'aurais dit. Pas fait exprès, j'ai commencé à raconter des blagues, là, que tout le monde a ri. Ah, ben une chance qu'il y en a qui nous font rire dans ce monde, hein. Je comprends. Avec tout ce qui se passe, c'est pas drôle. Ah, oui. Moi, en tout cas, Robin, je t'encourage à continuer. J'aime ça voir rire, ma petite poutine. Puis, as-tu demandé à ton père? J'ai essayé. Puis? Ouais. J'aimerais bien savoir de quoi vous parlez, moi. J'osais pas le demander. Hein? Ben... C'est parce que Robin a eu l'idée de passer une audition au petit club de comédie qui vient d'ouvrir. Mais ça s'appelle la boîte du rire. Oui. Hein? La boîte du rire, la boîte du rire, ça me dit quelque chose, ça. Et il organise une fin de semaine pour les jeunes, là. J'aimerais ça m'essayer. Mais c'est merveilleux, ça. Oui. Ouais. Pour ça, je suis pas merveilleux. Ah. Oh. Je me doute de qui on va entendre parler, moi. Ouais. J'ai essayé d'expliquer mon idée à mon père, mais il a même pas pris le temps de m'écouter. Il était trop occupé à avoir le nez dans son journal, lui. Ouais. Ben, c'est vrai que faut savoir s'y prendre pour faire entendre quelque chose à Léon, hein? Mm-hmm. Mais il faut pas te décourager, Robin. Tu vas sûrement trouver un moyen. Oui, oui. Ouais. Ben, peut-être. Mais oui! Ouais, vous allez m'excuser, mais j'ai des courses à faire. Ah oui, j'oubliais. J'attends une livraison, alors si jamais ça arrive... Hein, ah, vous... compte sur nous, mon frère. Oui! Parfait! À plus tard, tout le monde! Ouais. Peut-être que je pourrais tenter ma chance, moi aussi, à la boîte du rire. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, papa? Ben moi, je trouve que c'est une excellente idée. Oh. Oh non, je pense que non. Non, quand je comptais mes histoires, là, au Club des Clubs, ça riait pas beaucoup. Imagine, à la boîte du rire. Ben oui, mais pourquoi pas? Non. Moi, juste à penser, là, que je compte des histoires devant un public qui rit pas, là.
J'en ai le dos tout raide. Ben oui, mais tu pourras pas le savoir tant que t'auras pas essayé. C'est, mmh. C'est comme la lutte, ça, hein? Hé, non, non! Oh, 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 oh! C'est pas du tout comme ça chez nous. Oh, je prépare un budget important qu'il faut que je remette à mon patron, M. Tapon. Ça doit être intéressant, hein? Oh non, c'est très ordinaire. Si seulement j'avais une mini-calculatrice comme celle que j'ai vu annoncer dans le journal aussi, ça irait tellement plus rapidement. Je suis pas sûre, moi. Parce qu'elle est tellement petite, là, que je la chercherai tout le temps. Est-ce qu'il y a autre chose, Robin? Non. T'as pas d'autre chose à faire, toi? Des devoirs, par exemple? Hey, c'est drôle, papa. J'ai mal dans le dos ici, là. Toi, j'ai l'impression que tu te cherches une raison pour pas faire tes devoirs. Non, 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 c'est pas ça. C'est parce que j'ai vraiment envie d'y aller, hein. Darius, il trouve que c'est une bonne idée de faire rire le monde. Puis en plus, c'est pour les enfants. C'est la fin de semaine. Est-ce que je peux... Qu'est-ce que tu me dis là, Robin? Je te parle de l'idée que j'ai eue. Si tu veux, Robin, on parlera de ça plus tard. Tu vas à cette adresse-là, puis tu me la rapportes sans faute, hein? Vincent? Répète-moi l'adresse, là. Je vais être certain que tu te trompes pas. Très bien. Fais ça vite, là. Bye. C'est peut-être pas ici? Ben oui, c'est écrit. La boîte du rire à l'entrée. Ah oui, regarde. Ça doit être là que les gens se placent pour compter leurs histoires. Et juste à y penser, moi. Ben alors, arrête, tu vas me faire changer d'idée, là. Mais je suis quand même surprise que ton père ait dit oui pour que tu passes l'audition. Mm. Il a pas dit oui? Ben, il a pas dit non, mais... De toute façon, c'est juste pour une audition. Est-ce que je peux vous aider? Non, 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 laissez-moi deviner, là. Vous venez pour les auditions, c'est ça? Ah oui, mais c'est parce que j'ai entendu dire que le gérant de la boîte du rire cherche des nouveaux talents. Est-ce qu'on peut le voir? Il est debout devant toi, le gérant. Je m'attendais à quelqu'un de plus vieux. Je m'appelle Denis. Robin! Stella! Je suis un des plus jeunes dans le business. C'est de moi l'idée d'ouvrir les portes de la boîte du rire aux jeunes talents. Wow. J'ai l'intention d'offrir des spectacles aux jeunes en fin d'après-midi. Ouais, ça c'est une bonne idée. Si tu veux, je suis prête à t'entendre. Mais non, 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 c'est pour moi l'audition. Oui. Pas de problème, je suis prête à t'entendre toi aussi. Il y a juste une chose. Il faudrait que tu sortes, hein. Je préfère être seule, tu sais, pour juger un nouveau talent. Bonne chance, Robin. Non, ouais. Non, 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 non. Faut jamais dire bonne chance à quelqu'un avant qu'il entre en scène. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Le mot de cambronne. Hein? C'est quoi? Il faut dire merde. C'est la tradition. Oh, mais je te dis le mot de cambronne. Merde! J'attends de finir. Bye. Bon, qu'est-ce qui est rond? Non, 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 non. Un instant. Tu vas aller t'installer sur la scène. Ah, je m'excuse. Je vais te mettre la lumière. Ouais. C'est bon. Tu peux commencer. Je t'écoute. Oh! Bon. Qu'est-ce qui est rond? Qui est vert, qui monte, qui descend? Un petit poids dans un ascenseur. C'est quelqu'un qui rentre chez le dentiste. Oh, j'espère que son audition va bien. Qu'est-ce qu'il y a, Stella? Hein? J'attends Robin, qui est en train de passer son audition. Ah, j'espère que ça passe bien. Oh, moi aussi. Hey! Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? Tu vas voir, ma petite Stella, tu vas voir. Oui, j'ai rencontré le livreur dans l'entrée. Oh oui, j'ai hâte de voir. Enlevons ce... Mais c'est pas du tout ce que j'ai... Ah, oh, mais c'est une belle radio! Mais c'est pas du tout ce que j'ai demandé. C'est probablement une erreur. Attends. Hey, mais on peut l'essayer peut-être, voir oui. Si elle fonctionne? Ben oui, on va essayer quand même, hein. Ça, ça. Voilà. Hey, c'est une vieille radio qui fonctionne pas, hein. C'est bien ma chance, ça. Remarque, si j'avais du temps, peut-être que je m'y intéresserais, mais là, j'ai pas de temps. Comment avez-vous trouvé votre steak, monsieur? Ah, en dessous des patates! C'est
C'est quelqu'un qui rentre au restaurant. Servez-vous des noix ici? Eh oui, monsieur, on sert n'importe qui. Bon, ben, c'est tout. Bon. Ben, salut. Une minute, le jeune. J'ai beaucoup aimé ça. C'est classique, mais c'est drôle. Ah oui, c'est drôle. Mais pourquoi t'as pas ri une seule fois, alors? Mais parce que c'est mon métier. J'en ai tellement vu, là, que je suis plus capable de rire. C'est drôle, hein? Oui, un peu. Mais je sais reconnaître le talent, puis t'en as. Mais tu trouves? J'ai justement une place pour le spectacle de 5 heures. Oh, wow, à 5 heures? Mais c'est parce que j'en ai pas parlé à mon père encore. Ouais. Bête, là. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu me donnes une réponse, là. C'est important que je sache si tu vas être là pour organiser mon programme, là. Mais mon père ne le sait pas encore, là. Dans ce métier-là, il faut que tu sautes sur les occasions quand elles se présentent. Il restera peut-être plus de place quand tu vas revenir avec le oui de ton père. Je vais m'arranger pour qu'il dise oui. Puis, marché conclu? Marché conclu. Parfait. Je vais m'arranger pour être là à 5 heures. Moi, je pense que tu dois mettre plus d'efforts sur tes mathématiques plutôt que de perdre ton temps avec ces histoires de boîtes du rire. Oh, c'est juste pour une fois. À part ça, tu vas faire rire de toi. Mais non, ça va bien aller, tu vas voir. On sait jamais, Robin. Hey, si je sais pas, je pourrais pas le savoir. Quand je raconte des blagues au club des clubs, là, tout le monde rit. C'est peut-être une coïncidence. Mais papa, même le propriétaire de la boîte du rire, il me trouve très drôle. Et tiens, veux-tu en entendre une? Tiens, pourquoi pas. Peux-tu me dire, c'est quoi un bon comptable? C'est quelqu'un qui fait pas d'erreur dans ses sous-totaux. Non, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Je comprends pas. Ben voyons, papa. C'est un comptable sur qui on peut compter. Comptable, compter! Ah, oui, t'as raison, elle est bonne. Ah. Puis... Oui, allô? Ah, c'est vous, M. Tapon. Ben, justement, je travaille là-dessus. Je suis à la boîte de rire à 5 heures. Viens me voir. Tu vas rire. Oui. On va être content de moi. Voyons ce qui va arriver. Ah, il a certainement lu mon message. Il va être fâché. Tu veux mon père? Non, non, mais je lui ai réservé une chaise juste à côté de la mienne, là, à la table d'en avant. Aussitôt qu'il arrive, là, je viens te le dire. Oui. T'es pas trop nerveux, Robin? Oui, un peu. Oh, ça va aller, ça va aller. Tu es prêt? Une seconde. J'aimerais bien attendre encore un peu. Oh, c'est l'énervement qui te fait dire ça. Oh. Pour mieux sauter à l'eau d'un seul coup. Oui. Là, je te présente. Votre attention, s'il vous plaît. Il me fait plaisir de vous présenter cette semaine un nouveau comique. Il est drôle, il est jeune, puis il s'appelle Robin Brisard. Bonsoir. Je m'appelle Robin Brisard! Mais non, c'est pas une blague, ça, c'est mon vrai nom! Bon. Qu'est-ce qui est rond, qui est vert, qui monte, qui descend? Un poids dans un ascenseur! C'est quelqu'un qui rentre au restaurant. Est-ce que vous avez des noms ici? Ben oui, monsieur, on sert n'importe qui. Oh. Ah oui. Que fait un électricien quand il va se baigner? Ah! Il suit le courant! Ah! Oh! Hey, bonjour, je voulais m'acheter une lunette. Je rentre au magasin, la vendeuse, elle me dit. Est-ce que c'est des lunettes pour le soleil? Je la regarde. C'est pas pour le soleil, c'est pour moi! C'est génial! C'est quoi le tombe de dette? Fermez la lumière, puis se coucher avant que ça soit!
Je sais pas. Hein? C'est parce que c'est marqué la ferme sur les grandes. Il paraît qu'ils ont installé l'électricité chez le petit vieux d'à côté. Hein? Oh oui. Puis, monsieur, comment vous trouvez ça avec l'électricité? Oh! Oh! Je vois beaucoup mieux pour la lumière de l'enfant. Drôle, hein? Ah, oui, merci. Hé, hey, Marie-Josée, on se voit demain, hein? OK. Waouh, mais je pas venue, hein? J'aurais aimé ça qu'il me voit à lui. C'était très drôle. Personnellement, je n'ai pas venu, mais c'était drôle quand même. Ouais. Mais merci de m'avoir donné ma chambre. Non, oh, c'est la moindre des choses. Allez, on se revoit demain. Demain? Ouais. Ton numéro a eu tellement de succès là, que je veux que tu reviennes pour le spectacle de demain après-midi. Demain après-midi? 3 heures. Mmh. T'as une carrière devant toi, toi, si tu veux. C'est non. N-O-N, non. Pourquoi? Parce que c'est non. C'est pas une raison. Qu'est-ce que je viens de dire, Robin? Mais papa! C'est non. Et puis, je te ferai remarquer que j'avais pas dit oui. Mais oui, mais je t'ai laissé un message. Peut-être, mais je trouve que t'as profité de la situation. Mais oui, mais t'es au téléphone, là. Je t'ai fait des signes. Tout, fini les folies. Maintenant, Robin, tu vas penser à des choses plus sérieuses. Pourquoi t'es pas venu? T'aurais vu, papa, tout le monde riait. Mais fallait que je travaille sur mon rapport pour la biscuiterie. Et puis, c'est bien beau rire, mais l'important dans la vie, c'est le travail. Tu t'occupes plus de ton travail que de moi. Faux, Robin. Je m'occupe de toi. La preuve, je veux que tu réussisses dans la vie. Et puis, mon travail, c'est important. Non, mais il n'y a pas juste ton travail. La musique aussi, t'aimes ça. Mais moi, la comédie, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Et puis, j'ai plus envie d'en entendre parler. Non, c'est non. Mais moi, c'est décidé. Je vais y aller quand même à la boîte du rire. C'est non. Et puis, dans ta chambre, Robin Brizard. Papa. Dans ta chambre, j'ai dit. Puis, est-ce que ton père est encore de mauvaise humeur? Je sais pas. Il travaille encore sur son rapport pour la biscuiterie. Là. Qu'est-ce qui se passe, Robin? Mais c'est parce que son père l'a chicané parce qu'il est allé à la boîte du rire hier. Ça me rappelle la réaction qu'a eu mon père quand j'ai commencé mes collections de roches dans ma chambre. Il était pas content? Pas content? Pas content du tout! Il voulait tout jeter dehors. Qu'est-ce que t'as fait? C'est que je vous l'ai fait. La chose n'a pas été facile, mais j'ai tenu mon bout, hein. Ah oui? Mais comment? Eh bien, toi, mon père collectionnait les pipes. Alors je lui ai dit, toi, c'est les pipes. Eh bien, moi, c'est les roches. Moi, j'aimerais ça que ça se passe comme ça avec mon père. Ah, mais tu sais, Robin, il s'agit de trouver le bon moyen. Ah, c'est important ce que tu aimes. Alors ne te laisse pas décourager et essaie encore une fois de t'expliquer avec Léon. Non, je vais essayer encore une fois. Bon, c'est bien ça. Hé! Hey, mon oncle, oui. T'as décidé de garder la radio? Ah, non, c'est parce que j'ai pas eu le temps d'en expliquer. C'est vraiment super, cette radio-là, hein? Ah, oui. C'est effectivement un très beau modèle, mais elle fonctionne pas. Hey, est-ce que je pourrais l'emprunter juste pour voir comment c'est fait? Ouais, ben ça peut te faire plaisir, hein, Robin? Ah. En attendant, tu fasses attention et que tu me la rapportes quand je vais aller à la boutique, hein? Compris. Oh! Je dois partir, les enfants. Il y a une exposition exceptionnelle en ce moment en Espagne, à Barcelone. Alors, à plus le monde tout le temps. Qu'est-ce que je te dis à moi? À plus tard, tout le monde! Bon voyage! Salut. Puis, est-ce que tu vas retourner faire ton spectacle à la boîte du rire? Oh, je sais pas, j'aime mieux pas y penser. Mais ça te tente toujours de le faire? Je comprends. J'ai même promis à Denis que je serai là. C'est plate pour toi, hein? C'est seulement mon père, là. Il va changer d'idée, lui. En tout cas, là, c'est pas mon père qui fait des histoires comme ça. Je trouve que ton père, il exagère. Et quoi, là? Je voudrais changer de père avec toi. Aïe, aïe! Mais qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai pris un choc électrique. Ah oui? Il doit y avoir un court-circuit là-dedans. Papa, es-tu là? Oui. Salut, mon Robin. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Où est mon père? Ben voyons, as-tu besoin de lunettes, toi? Je suis ici. Voyons, une blague? Une blague? Mais pas du tout. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, toi? Non, ça va bien. Pourquoi mon père a eu l'idée de me jouer un tour comme ça? Il était tellement de mauvaise humeur. Viens, on va faire des exercices ensemble. Oui! On va faire des rotations. Ouais. Non, j'ai une meilleure idée.
On va faire un combat d'oreillers. Un combat? Mais oui. C'est en plein dans ma spécialité, ça. Yahoo! Je vais chercher les oreillers. Bon. Attention. Tiens! Oh, voilà. Attention! Comment c'est que mon père a eu cette idée-là? Voyons, Robin, c'est toi qui as eu l'idée du combat d'oreiller. Hey, arrête! Voyons, je le sais que t'es le père de Stella. Hein? Moi, le père de Stella Brisard? Mais non, Stella Franqueur. Ben voyons, Robin, les Franqueurs, là, c'est nous. Oui. Hey, si on est les Franqueurs, là, est-ce que je peux faire un spectacle à la boîte du rire? Certainement. C'est bon pour les enfants d'essayer toutes sortes de nouvelles choses. Oh, hein? Oui. Hey, mon père devait pas avoir prévu que Cora dirait oui. Il veut me jouer un tour, mais tant pis. Oula. Hey! Hey, non! Depuis quand on laisse tout traîner dans la maison? L'ordre, c'est important. Écoutez, Monsieur Brisard, vous êtes pas dans votre maison ici. Je sais pas si c'est des blagues que vous faites, là, mais... Oh non, c'est pas ma maison. Ça fait deux fois que je vous le dis. Ben, tu sauras, Stella Brisard, que ton père travaille comme un démon toute la journée. Et que c'est pour te permettre de devenir comptable comme moi un jour. Fais ça pour ton bien. Oh bon, d'accord. Je me demande ce qui se passe. Ou bien c'est quelque chose de bizarre. Puis le père de Robin est tombé sur la tête. Hey! Oui? Oh, Robin, il se passe quelque chose de spécial. Ouais? Ton père est dans la cuisine chez nous, il m'appelle Stella Brisard, puis moi, je trouve plus mon père. Mais ton père, il est ici, dans le salon. Hein? Eh oui, t'as pas encore compris, toi? Quoi? C'est un jeu. Je sais pas pourquoi, mais nos pères essaient de nous jouer un tour. C'est un jeu, là, ton père prend ça pas mal au sérieux. Il arrêtait pas de répéter après moi. J'ai mon budget à faire, celle-là. C'est pour ton bien que je fais ça. C'est même rendu qu'il veut que je devienne comptable comme lui. Hey, ça, c'est vrai qu'il rouspète, hein. Mais des fois, il est drôle, par exemple. C'est sûr qu'il est pas comme Conrad, là, mais... Oh. Et on, là, c'est le contraire de mon père. Ouais, je le sais, mais je vais quand même garder mon père. Il est revenu, lui. Hé, papa, je suis dans ma chambre. Moi, je pense que je suis mieux d'en aller chez moi plus vite. Ah oui? Robin Brisard, je sais pas ce qui s'est passé dans le salon, mais j'exige une explication. Tu peux m'appeler Robin Franqueur, si tu veux. Qu'est-ce que tu dis là? Mais papa, je sais que tu veux me jouer un tour, là. Est-ce que je peux y aller à la boîte du rire? Non, il n'est pas question que tu ailles à la boîte du rire, Robin Brisard. J'ai trouvé le salon dans un état... T'as 5 minutes pour tout remettre en ordre. Hé, je vais aller. C'est foutu. Jamais j'arriverai à le faire changer d'idée là, pour mon spectacle à la boîte du rire. Moi, là, j'aimerais ça avoir un père qui m'écoute puis qui me comprenne. Ouch! Est-ce que je peux savoir qui vous êtes? Oh, qui donc a répondu au cri de Robin? C'est intriguant. Notre ami aimerait bien que son père l'écoute et comprenne son désir de faire un spectacle à la boîte du rire. Il a essayé de nombreuses stratégies et s'est expliqué de son mieux. Pourtant, Léon ne voit pas son problème. Robin arrivera-t-il à trouver le moyen de se rapprocher de son père? Le visiteur est connu. L'aidera-t-il? N'oubliez surtout pas de nous revenir pour une nouvelle et palpitante aventure de Robin et Stella. Nous avons vu Robin passer une audition et donner un spectacle à la boîte du rire. Pendant ce temps, Darius reçoit par erreur une vieille radio qui ne semble pas fonctionner. Robin a eu un vif succès avec ses blagues. Denis, le gérant de la boîte du rire, l'invite à participer au prochain spectacle. Mais voilà que Léon refuse que son fils retourne à la boîte du rire. Découragé, Robin souhaite alors avoir un père qui l'écouterait. Surprise, son vœu se réalise d'une façon inattendue. Voyons vite la suite de cette palpitante aventure de Robin et Stella. Voyons, Robin,
As-tu de la fièvre? Non, je fais pas de fièvre, mais je veux savoir qui vous êtes. Robin. Puis, Bruno? Ah, je pense pas que ce soit de la fièvre. Es-tu certain? Touche par toi-même, Martine. Ah, ben non. Mon petit écureuil fait pas de fièvre. J'aime mieux ça comme ça. Ça va mieux, Robin? Mais peut-être. Peut-être que tu t'es endormi puis que t'as fait un cauchemar. Oui, ça se peut. As-tu faim? Je sais pas. Soif? Je sais plus. Moi, je sais ce que je vais faire. Je vais aller te préparer un bon petit dessert. Toi, occupe-toi de ton fils. Est-ce que c'est une blague, ça? Une blague? Voyons, Robin, qu'est-ce que tu dis? Maintenant qu'on est seul, veux-tu me parler? Je pense que non. On dirait qu'il y a quelque chose qui va pas. Je pense que je t'ai un peu mêlé, là. On dirait, oui. As-tu des problèmes à l'école? Non, ça va. Parce que tu sais, hein, si t'as des problèmes, je suis là pour t'écouter. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Où il est, mon père? Coucou, mon petit écureuil. Coucou. Est-ce que tout va bien ici? Oh, oui, je pense que oui. Parfait. Hey! Oui? Où il est, mon père? Ah, Bruno, il est dans le salon. Il est en train de ramasser les oreillers. Bruno? Oui. Maintenant, repose-toi. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, non. C'est bizarre. On dirait que j'ai des nouveaux parents. Y a quelqu'un? C'est pourtant bien l'adresse que Denis m'a donnée. Ça me rappelle un film que j'ai vu. Le héros frappait à la porte. Personne répondait. Il ouvrait. Personne. C'est à ce moment-là que... j'ai oublié le reste. C'est bête. Bon, j'ai pas le choix. Faut que je mette la main sur cette radio au plus vite. Oui, mon garçon, tu te sens mieux? Oui, oui. Parfait. Bien. Alors, Robin, qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui? Hein? Oh, non. Aujourd'hui, là, je voulais aller à la boîte du rire, mais je le sais que tu voudras pas. La boîte du rire? Tiens, tiens, parle-moi de ça. Ça sert à rien, je le sais que vous êtes pas d'accord. Mais moi, je veux faire un spectacle à la boîte du rire. Ah, il doit y avoir un malentendu. Viens t'asseoir. Un spectacle, tu dis? Oui. Prends le temps de m'expliquer. Tu sais que les choses que t'aimes m'intéressent. Oh, ça sert à rien. Je le sais que tu vas dire que c'est inutile, là, que faire rire le monde, c'est pas sérieux. Inutile? J'ai déjà dit ça, moi. Ouais, c'est pas vraiment clair ce que tu veux. Peut-être que tu peux commencer par le commencement et m'expliquer pourquoi c'est si important, ton affaire. J'aime ça jouer sur une scène. J'aime ça faire rire. Je suis fatiguée de me faire toujours dire quoi faire. Je suis pas certaine de comprendre. Mais je trouve très intéressante ton idée de la boîte du rire. Si c'est ça que tu veux faire aujourd'hui, je peux t'aider à t'organiser. Je pourrais décider, là. Mais pourquoi pas, si c'est une bonne idée? Hey, c'est super! You, y a quelqu'un? C'est vraiment spécial comme endroit ici. Ça me rappelle un film que j'ai vu. Le héros arrivait dans un endroit bizarre. Il disait... You? Y a quelqu'un? Et personne ne répondait. C'est à ce moment-là que j'ai encore oublié le reste. Oh, c'est bête. Peut-être que je viens de mettre à jour une organisation internationale de voleurs de radio. Peut-être. Quelle drôle d'installation.
Ah, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Est-ce que j'ai vraiment vu ce que je viens de voir? Oh oui, j'ai bien vu ce que j'ai vu. Puis je viens de le voir une autre fois. Oh non. Quelqu'un arrive. Oh, ça y est, je viens de faire coincer par l'organisation. Ça fait rire le monde. Je te comprends. C'est amusant de faire rire ses amis. Ah oui. Je sais pas pourquoi, mais j'aime ça. À la boîte du rire, il y a une atmosphère. Ah, c'est important, ça. Oui. Oh, oui. Regardez ce que j'apporte. Oh. Des fruits pour tout le monde. Merci. Ça me fait plaisir, Bruno. Moi aussi, j'ai déjà fait du théâtre quand j'étais à l'école. Ah ouais? Je sens que ton père va nous raconter son histoire dans le monde du théâtre. Je t'ai jamais raconté ça, Robin? Il me semble que oui. Non! Ah, tu vois, Robin la connaît pas. Ben vas-y, on t'écoute. Alors, l'Atlas avait décidé de monter une pièce de théâtre pour la fin de l'année. Moi, j'ouvrais une porte. Une porte? Une porte d'auto? Non, non, une porte-porte. Il veut dire une porte de chambre. Oui, exactement. Il fallait l'ouvrir de la bonne façon. Moi, j'avais un trac fou. Oh, le trac, c'est énervant. Moi, là, quand il allume les lumières, j'ai peur d'avoir oublié toutes mes blagues. C'est ça. Ah oui. Alors, moi, le soir, je me pratiquais avec ma porte de chambre. Mm-hmm. Oui. Ça devait être intéressant. Oh, Martine, c'est dur, la peur d'avoir un blanc de mémoire. T'avais peur de pas te souvenir comment on ouvre une porte. Non, non, j'avais peur de pas me souvenir quand l'ouvrir, nuance. Tais-toi, Bruno, dans le fond, là, t'es un comique. J'aime ça parler avec eux, ils sont drôles. Je commence à m'ennuyer de mon père et de ma mère. Mais c'est le plaisir d'être sur scène qui l'emportait. Est-ce que ça va, mon petit écureuil? Oui. Je suis pas son petit écureuil. Ma mère, elle m'appelle mon pit, puis j'aime mieux ça. Écoute ça, Robin. J'avais oublié qu'il fallait que je la referme, la porte. Ça, je l'avais jamais répété. Je te dis, Bruno, toi, quand tu commences, tu lâches pas, hein? Alors, le jour de la représentation, j'ai ouvert la porte et j'ai aperçu le public au complet qui me regardait. Mon père, ma mère, toute la famille était là. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce que ça fait? Je me suis concentré, hein? Tu comprends? Le trac. Mm. J'ai réussi à refermer la porte. C'est extraordinaire! Ah, oh, Bruno, toi, des fois, là, je te dis, je suis assez fière de toi. Arrête, Martine! Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce qu'il peut bien être rendu, mon père? Il faut que j'en parle avec celle-là. T'es certain que ça va, toi? Oui. Oh, ça me rappelle une autre histoire. J'étais allé un jour au zoo, hein? Je m'étais acheté une pomme en sucre. Tu sais, une pomme recouverte de sucre. Puis là, je me suis approché de l'endroit où il y avait les girafes, un peu trop près de la clôture, puis là, tout à coup... Oui, t'es nerveux comme ça, donc! Calme-toi un peu, là! Hein? Oh! Je pense que je comprends. T'as faim, hein? Je reviens! Chose vraiment bizarre. Conrad, là, il n'a rien compris à mon histoire quand je lui ai parlé du tour qu'il nous avait joué, lui et le père de Robin. C'est drôle, hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Tu veux jouer? J'ai pas le temps, là. Il faut que j'aille parler à Robin. C'est important. Mais après. C'est une vraie maison de fous ici. Faut que je mette la main sur cette radio plus vite. Oui? Est-ce que je peux t'aider? T'encourager? T'écouter? Excusez-moi, je pense que je me suis trompée de la porte. Ah bon? Ben, ça me fait plaisir de te connaître. J'y vais, Bruno. Oui? Pourtant, je suis certaine que je suis à la bonne place. Est-ce que je peux savoir qui vous êtes? Ben, voyons, je suis la maman de Robin. Hein? Et toi?
Moi, je suis son amie, celle-là. Bruno, viens voir, c'est une amie de Robin. Tiens, une amie de Robin. Mmh. Stella, Bruno, Bruno, Stella. Stella, Martine, Martine, Stella. Bonjour. Bonjour. Enchanté. On s'est vu tantôt, je pense. Ça se peut, oui. Ben, entre, Stella. Oui. Bien. Je ne devais pas vous déranger. Mais au contraire, on est toujours content de connaître les amis de Robin. Ben oui. Parlant de Robin, est-ce qu'il est là? Oui, salut, Stella. Allô? Je voudrais bien te répondre, mais je comprends pas. Il faut que je te parle. On va aller dans ta chambre, comme ça, on se fera pas déranger par... Oui. Vincent, appelle Denis. Vincent, appelle Denis. Réponds, Denis. Oui, allô. Écoute, Denis, j'ai pas encore trouvé la radio. J'ai fouillé partout, mais... Est-ce que je t'ai demandé de fouiller partout, Vincent? Non. Je t'ai simplement demandé de faire l'échange, un point, c'est tout. Excuse-moi, je pensais que... Il ne s'agit pas d'un film d'espionnage, Vincent, mais d'une erreur de la boutique. Le vendeur a envoyé les paquets au mauvais endroit, c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, là? T'as qu'à faire l'échange comme je te l'avais demandé, rien de plus. Il y a autre chose, Denis. Il se passe des choses étranges ici. Il y a une espèce de bébite qui me regarde. Une espèce de quoi? De bibitte. Oh, oh. Ça y est, elle vient de se sortir la tête encore une fois. Vincent, s'il te plaît, tu me raconteras tes folies plus tard. Là. Moi, j'ai du travail, hein? C'est la vérité, je t'assure. Bon, excuse-moi. On coupe? Oui, on coupe. Ça me rappelle un film que j'ai vu. C'est bête, j'ai encore oublié. Mais ils sont gentils, mais je commence à m'ennuyer de ma mère là, quand elle m'appelle mon pit ou de mon père là, qui veut pas qu'on le dérange parce qu'il écoute sa musique classique. Raison de plus, il faut trouver une solution. Non, mais il n'y a rien à faire, on dirait qu'ils ont toujours habité ici. Tiens, regarde. Entre, Bruno! Excuse-moi, Robin, tu sais que je respecte ton intimité, mais je veux juste savoir à quelle heure est ton spectacle. Oh, mon spectacle? À 3h cet après-midi. Ah, non, parfait. Putain, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Il faut pas le manquer. Vite, il faut trouver une façon de s'en sortir. Mais tu cherches pas? Mais non. Pourquoi? Je suis pas certain qu'il faut qu'on se dépêche là, pour trouver une solution, moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais parce que si je vais aller faire mon spectacle, là, j'ai juste à y aller. Et puis là, avec tes nouveaux parents, tu peux aller à la boîte du rire, c'est ça? Mmh, c'est une bonne idée, hein? Oui, mais il faut que tu retrouves tes vrais parents. Ah, faut pas paniquer, là, on va trouver une solution plus tard. Oui, mais plus tu vas attendre, plus ça risque d'être difficile. Mais c'est certain, là, que je voudrais trouver mes vrais parents tout de suite, mais j'ai pas le choix, j'ai dit à Denis que je serais là. Mais oui, mais on sait même pas ce qui se passe, Robin, puis toi, tu veux aller à la boîte du rire. Mais tu le sais, c'est mon rêve de faire ça. Bon, comme tu veux, comme tu veux. Bon, c'est décidé, j'y vais. Bon, et pendant que tu vas aller à la boîte du rire, moi, je vais essayer de trouver une solution. Bon, merci, hein, c'est super. Ça va. Non, c'est l'énervement là, qui te fait dire ça. Ah oui, je voulais te demander, qui sont les deux personnes assises en avant? Oh, là, c'est correct, je les connais. En tout cas, là, ils ont l'air des fans inconditionnels. À chaque fois que je passe près d'eux, ils me demandent quand ça va être ton tour. Ils sont comme ça, eux autres. Bon, ben, écoute, on va commencer bientôt. Hein? J'espère que Stella va trouver ce qui s'est passé, moi. Tout à coup, là, je suis pas capable de retrouver mes vrais parents, moi. Surtout pas que je pense à ça. Tout à coup, je suis pris, là. J'ai pris le risque de ma vie avec Bruno et Martine. Non. Ils sont bien gentils, là, mais... C'est pas mes vrais parents. Oh non, je passe par la scène! Et t'es beau, mon petit écureuil! Tu n'as pas le droit de passer par la fin. Faut faire le tour par la coulisse! Tiens, j'avais oublié de te les donner tantôt. Hein? Ah,
Est-ce que tout va bien, là? Oh, oui, ça va. As-tu fait pipi? Ben oui! Oh. Je pense que j'ai jamais été aussi fière de mon fils. Mais faut pas pleurer pour ça! Ben, c'est important de pleurer. Il faut laisser sortir ses émotions, Robin. Je sais, mais on n'est pas ici pour pleurer. On est ici pour rire. Ouais. Robin a raison. On est ici pour rire. Oh, tu sais, tantôt, quand je vais compter mes blagues. Mm-hmm. En tout cas, Robin, on est juste venu pour te dire que on est avec toi. Oui, ça, je le sais. Puis oublie pas, mon Robin, si t'as un blanc de mémoire, hein, pense à moi quand j'ouvre ma porte. Hein? Okay. Oui, d'accord. Papa, papa! Bon, ça va être le temps de commencer le spectacle, hein? Oh. Votre attention, s'il vous plaît. Bienvenue à la Boîte du Rire. Il me fait plaisir de vous présenter cette semaine un jeune comique que vous aimez, Robin Brisard! Bonjour tout le monde! Quoi? Comment ça se fait que j'arrive pas à retrouver Léon? Je l'ai cherché partout. Il a disparu, là, sans laisser de trace. Est-ce que quelqu'un de votre famille aurait reçu un paquet contenant une radio? Oui, pourquoi? Mais voyez-vous, il y a eu une erreur. Ah oui, oui, je sais, ils sont trompés de boire. Ah, bon, parfait. Alors, on fait l'échange? Non. Je pense que non. Comment non? Mais c'est parce que mon nom d'arrière, c'est pas à la maison, hein. Puis moi, je peux pas faire l'échange sans lui demander la permission. Oh, mais oui, on peut faire l'échange quand même. Non, il faut que mon oncle soit là. Je suis au courant de tout. Si tu ne collabores pas, poupée, je me charge personnellement de mettre à jour votre réseau international de voleurs de radio. Je comprends rien à ce que tu dis. Et puis, de toute façon, c'est non. J'ai pas le choix. Oh, laisse-moi entrer. Excuse-moi. Tu reviendras quand mon oncle Darius sera là. Qu'est-ce qui est temps à insister pour une radio qui fonctionne même pas? À moins que... Parfait, il n'y a personne. Comment ça se fait que, comme par hasard, il se passe des choses bizarres depuis que cette radio-là est arrivée? Pourquoi? Si mon oncle Darius était là aussi, il pourrait m'aider. Non, c'est possible. Ça fonctionne même pas. Même mon oncle Darius a dit qu'elle valait pas grand-chose. D'un autre côté, comment ça se fait que le garçon de tantôt avait l'air si pressé de la voir? Ça, c'est bizarre. Il faut que je comprenne, moi. Je veux que le père de Robert devienne comme avant. Ces deux petits chiens qui se rencontrent à Tokyo, ils se disent « Japon! » Ces deux petites puces, à la sortie du cinéma, ils se disent « Qu'est-ce qu'on fait? On rentre à pied ou on prend un chien? » Quel est l'instrument de musique préféré d'un directeur de banque? Vous savez pas? La grosse caisse! Que fait un menuisier quand il va se baigner? Fait la planche! Que fait un électricien quand il va se baigner? Ah! Il suit le courant! Hey, savez-vous pourquoi les vaches ne parlent pas? Parce que c'est écrit la ferme! Sur les gants! Savez-vous c'est quoi un bon comptable? C'est quelqu'un sur qui on peut compter! Mais qu'est-ce que tu fais là, Robin? Monsieur, s'il vous plaît, il faut rester assis, hein?
n'est pas bleu? Parce que les blancs sont au lavage. Comment on fait pour savoir s'il y a 150 personnes de cachées dans la salle de bain? C'est le rideau de douche comme mal. C'est quoi la différence entre un ballon de football et un biscuit? Le ballon de football, j'ai jamais vu personne tremper un ballon de football dans un verre de lait. Bravo, Robin, tout le monde aimait ça. Pas sûr, moi. Oui, le monde riait. T'as même rajouté des nouvelles blagues, c'est bon, ça. Robin, j'exige des explications. Je m'excuse, papa, je vais t'expliquer. Tes raisons ont besoin d'être bonnes. Oh, putain, Robin, je... Oui, oui, oui. Il me semble que j'ai été assez clair. Quand je dis non, ça veut pas dire oui. Oui, mais je vais tout t'expliquer, là. Faut que j'y retourne. J'en viens deux minutes. Vous connaissez? Oui, c'est mon garçon. Oh, mais les félicitations, hein. J'ai rarement vu un jeune avoir autant de succès à la voix de Dieu, hein. C'est tout un talent. Oui, c'est mon garçon. Oh, on s'en retourne à la maison maintenant. Bon, ben, content d'avoir fait votre connaissance. On se revoit au prochain spectacle, hein, Robin? Ça me surprendrait. Oui, j'allais. Bon, ben maintenant, tu vas m'expliquer. Écoute, papa, depuis le début, j'essaie de t'expliquer, mais tu m'écoutes pas. Vas-y, parle-moi encore sur ce ton-là. Mais j'avais pas le choix, j'avais déjà dit à Denis que je serais là. C'est fin, ça. Puis moi, j'aime ça, faire rire le monde. J'aimerais ça que tu comprennes, mais tu m'écoutes jamais. Bon, maintenant, j'écoute jamais. Non, tu m'écoutes jamais. Toi, là, t'es seulement content quand c'est toi qui décides. J'en apprends des bonnes, moi, aujourd'hui. Puis t'as toujours la tête dans ton travail. J'ai pas le choix, Robin, il faut que je travaille. Mais même quand tu travailles pas, là, c'est comme si t'étais pas là. T'as toujours le nez dans ton journal ou dans ta musique classique, là. Ben, change pas le sujet de la conversation, Robin Brizard. Depuis tes histoires de boîte du rire, là, ça va mal dans la maison. À l'avenir, il n'est plus question que tu mettes les pieds là-bas. Compris? Plus jamais. De toute façon, n'importe qui est capable de faire ça, ils vont bien trouver quelqu'un d'autre. C'est pas vrai, papa, que n'importe qui peut faire ça. Comptez des blagues, Robin, tout le monde le fait. Oui, mais pas devant le public! Bon, ben là, j'en ai assez entendu. Dorénavant, Robin Brizard, tu vas passer plus de temps dans tes devoirs. C'est pour ton bien que je fais ça. Tiens, au lieu de jouer avec des vieilles radios, tu devrais travailler tes mathématiques. Non, non, non. Tu peux pas partir avec cette radio-là si c'est pas à moi. Ah bon? Parce que c'est toi qui décides maintenant, Robin. Mais... Oublie pas que je suis ton père. Oh, j'aimerais ça que tu comprennes. Ben, j'en ai déjà assez compris. Moi, là, j'aimerais ça te voir dans ma peau. Papa? Robin? Biscuit? Mais qu'est-ce qui nous arrive, papa? Oh là là, mes amis, qu'est-ce qui arrive à Léon et Robin? On dirait que le souhait de Robin se réalise et que Léon est maintenant dans la peau de son fils. Robin était au bord du découragement parce que son père ne voulait rien comprendre de ses désirs. Il avait beau lui expliquer, rien à faire. Maintenant que lui-même se retrouve dans la peau de Léon, arrivera-t-il à trouver de nouveaux moyens pour mieux communiquer avec son père? N'oubliez surtout pas de nous revenir pour une nouvelle et palpitante aventure de Robin et Stella. Des choses étranges se produisent depuis que Darius a reçu par erreur une vieille radio. De son côté, Robin veut donner un spectacle à la boîte du rire. Léon refuse d'en discuter. Robin fait un souhait et surprise de voler avec Bruno, un nouveau père qui l'écoute. Robin en profite donc pour retourner donner son spectacle. Mais Léon réapparaît au mauvais moment. Furieux, il interdit à Robin de remettre les pieds à la boîte du rire. Robin, découragé, voudrait bien le voir dans sa peau d'enfant. Voyons vite la suite de cette palpitante aventure de Robin et Stella. Je suis certain qu'il y a une explication logique. Ça se peut pas que ça arrive comme ça. Il faut essayer de comprendre mathématiquement le problème. Robin, arrête de tourner en rond, ça m'empêche de me concentrer. Mais qu'est-ce qu'on va faire, papa? Premièrement, il faut pas s'énerver. Deuxièmement, j'en ai aucune idée. C'est bizarre, tu trouves pas? Bizarre? C'est pas le mot, Robin. Mais il faut pas paniquer. Ça me fait drôle de plus avoir de cheveux.
Mais moi, ça me fait drôle d'en avoir. Mais qu'est-ce qu'on va faire, papa? Rien. On va attendre que ça passe. De toute façon, il n'y a aucune solution. Attendre sans rien faire? Robin, on a changé de peau par hasard. Tout devrait devenir à la normale par hasard. Mais on ne peut pas rester ici à attendre. Oh. Papa! Oh. Mais, papa! Bon, j'ai compris. Je comprends pas comment il fait pour écouter sa musique classique. Oui, allô? Oui, est-ce que je pourrais parler à Robin, s'il vous plaît? C'est moi? Tiens, tu m'avais pas dit que t'avais aussi des talents d'imitateur, toi? Oui, ça m'arrive. Bon, finis les blagues, là. Tu peux reprendre ta voix normale, il faut que je te parle. Bien, j'écoute. Non, non, ça va, Robin, là. Je sais que t'es bon pour changer ta voix, là, mais maintenant, reprends ta vraie voix, là, hein? Papa! Enlève tes écouteurs! Viens parler au téléphone! Oui, allô? Bon, Robin. Un instant. Voyons, c'est pour toi. Oui, allô? Bon, écoute, là, j'ai pas envie de faire rire de moi. Moi, j'ai du travail, pas de temps à perdre. Papa! Prends le téléphone! Il veut me parler, écoute ce qu'il a dit. Bon, bon. Oui? Bon, ça va faire, Robin, là. J'appelle pour m'assurer que tu vas être là pour le prochain spectacle. J'ai pas l'impression qu'il va être là. Ben, je veux dire que je vais être là. Ben, voyons, Robin, reviens sur Terre. On avait une entente, il me semble. De quelle entente vous voulez parler? Mais tu sais très bien de quoi je parle. Ben, pas du tout. Mais c'est ce que c'est une farce que tu me fais là, là? J'ai pas l'habitude de faire des blagues. Wow, le jeune, t'exagères, là, hein? Je sais même pas de quoi vous parlez. De toute façon, c'est non. Puis, qu'est-ce qu'il a dit? Un instant, jeune homme. C'est moi qui pose des questions. C'est quoi cette histoire d'entente-là? Oh! Ben, c'est parce que j'ai promis à Denis d'aller au spectacle ce soir. J'ai donné ma parole. Ben, t'avais pas d'affaire à donner ta parole sans m'en parler avant. Oui, mais maintenant, j'ai plus le choix. Je peux pas laisser tomber. Au contraire, jeune homme. Il est pas question pour toi d'aller à la boîte du rire. Mais papa! Robin, oublie pas que je suis peut-être plus petit que toi maintenant, mais je suis encore ton père. Comment il a réagi, lui, à l'autre bout du fil? Disons que... il avait pas l'air content. Oh, non! Robin, écoute-moi bien. C'est très important. Tu ne dis rien à personne sur ce qui nous arrive. Compris? Compris. Vas-y. Monsieur Brésard, vous êtes revenu? Oui. C'est redevenu normal d'un seul coup. Je vous ai cherché partout. Bien maintenant, ça va bien. C'est bizarre, hein? Vous trouvez pas? C'est très bizarre. Robin, il faut que je te parle. Viens chez moi, c'est important. Si vous voulez, vous pouvez aller dans ma chambre, si vous voulez. Dans la chambre de Robin, je veux dire. Il est bizarre, ton père, encore, hein? Mais j'aimerais mieux qu'on aille chez nous, hein? Allez, bon, bon. Viens. Toi, tu bouges pas d'ici, hein? Hey, tu lui parles à ton père? Avec tout ça maintenant, Denis doit être en colère contre moi. Il faut que j'aille à la boîte du rire pour essayer de m'expliquer avec lui. Mais de toute façon, il n'y a pas de danger que je me fasse découvrir, hein? Je suis dans la peau de mon père. Je suis pas certaine, là, mais je pense que je suis sur une piste. Robin! Quoi? Mais, je suis en train de te dire quelque chose d'important pour t'aider, puis toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de lire le journal. Hey, j'ai même pas fini de le lire. Non. Là, maintenant, tu vas m'écouter. Bon, tu sais, là, quand tu avais de nouveaux parents, hein? De nouveaux parents? Ben oui, Bruno et Martine. Bruno et Martine... Voyons, Robin, autant dire que c'est moi qui rêvais. Ben, peut-être. Robin Brisard, qu'est-ce que t'as mangé ce matin, toi? Ben, j'ai mangé un café Pemmorfine. Un café?
Non. Non, un jus d'orange puis un muffin. T'es bizarre, toi aussi, aujourd'hui. Comme d'habitude. Bon. Là, Robin, là, c'est important. Il faut que je sache. Est-ce qu'à un moment donné, là, quand t'étais tanné, est-ce que t'as fait le souhait d'avoir un nouveau père? Robin serait allé jusqu'à lui dire qu'il aimerait ça avoir un autre père. Puis? Mais non. J'ai jamais pensé à ça, voyons. Pensé à avoir découvert quelque chose, hein? Ça doit pas être ça. Ouais, c'est fermé jusqu'à l'heure du spectacle. Est-ce qu'on s'est pas déjà rencontré par hasard? Non, je pense pas. Ah, j'avais l'impression, mais... Mais je rencontre tellement de gens, c'est normal de se tromper. Est-ce que je peux vous aider? Je passais devant votre boîte par hasard, et puis je me suis dit, tiens, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui pourrait répondre à ma question. Ça dépend laquelle. Je me demandais ce qui arrive quand quelqu'un vous dit qu'il va participer à un spectacle, mais qui se présente pas. Tiens, quelqu'un qui s'intéresse au monde du spectacle. Un petit café? Non. Peut-être un verre de lait, si vous en avez. Vincent, tu fais le nécessaire pour mon invité. Ouais, pour en revenir à votre question, là, une entente non respectée, ça peut amener des conséquences graves. Ben, j'ai justement ce problème-là. C'est dommage parce que c'est un petit gars qui a beaucoup de talent. Ouais, c'est un dénommé Robin Brizard. Monsieur, tirez-moi vite sur votre paille, là. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec Robin Brizard? C'est pas vraiment de vos affaires, là. Ah oui, je comprends. Mais c'est juste que j'aurais aimé savoir. Bon, vous allez m'excuser, là. J'ai beaucoup de travail, il faut que je prépare la salle. En tout cas, merci pour le verre de lait. Non, c'est rien. À un petit jour, peut-être, là. Salut. Tu vas me retrouver ma découverte au plus vite. Patron, non. Il parle de moi. Sauf que quand ils vont me retrouver, c'est mon père qui va me retrouver. Oh, non. Ce serait la catastrophe! Puis, Robin, comment ça va avec ton père? Mon père? Tout est réglé. Il est vraiment super, mon père. Comme ça, tu vas pouvoir retourner à la voie de durée. Non. Comment, non? Parce que c'est comme ça, c'est pas grave. Tu changes d'idée vite? Hier, c'était juste ça qui comptait pour toi. Tu disais même que c'était ton plus grand rêve de faire un spectacle comme ça. Son plus grand rêve? C'est plus important pour lui que je pensais. Je ne peux pas croire que tu vas tout laisser tomber comme ça, Robin. Voyons. Denis, là, Denis va t'en vouloir. Tu penses vraiment que je devrais y aller? Mais certain. Oh! Hey, dépêche-toi, ton spectacle va commencer, là. Premièrement, je vais aller à la boîte du rire pour parler avec ce... Denis. Puis, qu'est-ce que tu décides? Faut que je m'en aille chez nous. Hein? Bonjour quand même. Je le reconnais plus, lui, aujourd'hui. Je suis certain que Denis va m'envoyer chercher pour le spectacle. Yano, c'est vrai, je suis dans la peau de mon père. Oh non! Le tunnel secret vient d'être découvert. Monsieur Brizard, je vais tout vous expliquer. C'est parce que j'étais caché dans la... Arrête, Stella! Moi aussi, il faut que je t'explique quelque chose. Oui. C'est moi. Robin! Ah oui, elle est bonne. Attends. Si t'es vraiment Robin, là, tu vas savoir comment mon oncle Darius voyage. Ça, c'est sûr que Léon ne le sait pas. Darius, il voyage en rapidotron. Robin, c'est toi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée. Mais ça fait drôle à dire, là. Mais où est-ce qu'il est, ton père? Il s'est retrouvé dans mon corps à moi. Oh, maintenant je comprends le comportement bizarre de Robin, de Léon. Ça s'est passé comme ça. Mon père était fâché contre moi. Attends. Est-ce que tu as dit quelque chose, comme un souhait? Bien, attends, là. J'avais de la peine qu'ils ne me comprennent pas. Ouais. Il me semble que la dernière chose... Oui, je lui ai dit que j'aimerais bien se le voir dans ma peau.
Est-ce que tu faisais quelque chose de spécial à ce moment-là? Je chicanais avec la radio. C'est ce que je pensais! La radio! C'est la radio, tu penses? Oui! À chaque fois que tu as fait un souhait en tenant la radio dans tes mains, il s'est réalisé. Conrad est devenu ton père, tu as eu des nouveaux parents, et puis moi, après, j'étais dans ta chambre avec la radio. J'ai voulu que tu retrouves ton père. Alors là, j'ai senti un choc et je me suis doutée. Hey! Je comprends maintenant! C'est toi qui as fait disparaître Bruno et Martine. Et comment je vais retrouver mon père? Deux fois plus fâché qu'avant? Mais j'ai pas le choix. Je veux revenir dans ma peau. Oui. Je veux retourner dans ma peau. Ouf, mais comment ça se fait que ça marche pas? Rappelle-toi comment c'est arrivé. Mon père tenait la radio. Oui. Puis là, je suis venu pour lui enlever. Ah oui, c'est ça, on la tenait tous les deux. Ah, mais dans ce cas-là, peut-être qu'il faut que vous fassiez le souhait tous les deux en même temps. Oui, il faut que je retrouve mon père tout de suite. C'est peut-être lui. Oui, allô? Léa, qu'est-ce que tu fais? Tu m'avais promis ton rapport sur le budget de la nouvelle campagne publicitaire en urgence aujourd'hui à 5 heures. Oui, M. Tapon, j'arrive. Ah, ben, je t'attends. Oui, c'est M. Tapon, le patron de mon père. Oh. Il l'attend, c'est urgent. Pas de panique, là, hein? On n'a pas le choix. Toi, tu vas aller voir M. Tapon. M. Tapon? Oui, oui, essaie de gagner du temps. Moi, pendant ce temps-là, je vais essayer de retrouver ton père. Vite, Robin, on n'a pas une seconde à perdre. Je prends le dossier de mon père et je vais. Oui. Votre attention, s'il vous plaît. Je sais que vous l'attendiez, mais malheureusement, Robin Brizard ne pourra être avec nous ce soir. On est désolé. Non, un instant, il est là, on l'accueille, Robin Brizard! Qu'est-ce que je vais leur dire? Je peux pas rester là à rien faire. Qu'est-ce qu'un comptable? C'est quelqu'un qui sait compter. Voyons pourtant, elle était drôle cette blague-là. J'en ai une autre. Quelle différence qu'il y a entre un ballon et une brique? Hein? Un ballon, une brique. Un ballon, c'est rond, et une brique, c'est rectangulaire. Que dit un employé à son patron lorsqu'il rentre le matin? Je n'avais pas de patron. Il lui dit, bonjour, patron. Tiens, Léon, je me demandais où t'étais passé. C'est pour ça que je t'ai téléphoné. Je travaillais à la maison. Oh, c'est bien ça, Léon. Ça dépend. Quand j'ai trop de travail à la maison, j'ai plus tellement de temps pour m'occuper de mon garçon. Je te cacherai pas que j'ai bien hâte de voir le budget de ma nouvelle campagne publicitaire. Je trouve que ce projet-là me coûte bien cher. Je l'ai juste ici. Ah? Ah, oh. Oh, ben Léon, t'es extraordinaire. Je vois que t'es sur le bon chemin. Comment, il est pas terminé? Je suppose que tu vas le compléter ici. Oui, ça sera pas long. Mm-hmm. Je vais aller à mon bureau, puis je vais terminer le travail. Mm-hmm. Ben vas-y, Léon, va travailler, va travailler. Ah, oh, c'est le bureau de mon père. C'est ma photo. Je veux dire la photo de mon fils. Hé, hey, mon père pense à moi quand il travaille. Ça doit être parce qu'il m'aime.
Moi qui pensais que mon père faisait juste s'asseoir et calculer avec une calculatrice. C'est compliqué, ce qu'il fait. Bon, Monsieur Tapon a parlé d'une campagne de publicité. Oh, je le sais ce que je vais faire. Hé, Léon. C'est prêt. Pour la campagne de publicité, j'ai eu une idée. Tiens, le dessin d'un biscuit avec le slogan « Biscuit que c'est bon ». Oui, avec le budget que je vais vous remettre bientôt, c'est l'idée que j'ai eue. Mais oui, mais oui, mais oui, c'est un slogan qui nous ressemble. Ben, coudonc, je te connaissais pas des talents de publicitaire, Léon. Ça m'arrive. Bon, ben, je vais aller consulter un publiciste. Si Stella peut retrouver mon père au plus vite... Je pensais pas que ce que faisait Robin, c'était si difficile. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? C'était pas drôle? Drôle! Oh, enfin, je vous ai trouvé. Vite, Monsieur Brésard, posez pas de questions. Je suis au courant de tout. Robin vous attend à l'usine de biscuits. Biscuits? J'avais complètement oublié mon rapport. Non, chérie. Pourquoi tu restes ici? Je vais te parler. Oh, biscuit, ça va mal. Papa, j'ai complètement oublié mon rapport. Mais j'ai eu une excellente idée pour gagner du temps. J'ai fait un dessin, j'ai dessiné un super biscuit avec le slogan « Biscuit que c'est bon ». Biscuit que c'est bon? T'as rendu compte, Robin? Je vais perdre mon emploi, c'est certain! Oh! Tiens, tiens, mais c'est Robin, hein? Le petit garçon qui va succéder à son père et devenir un grand comptable comme lui. Hein? Ah, oui. Ah, ben ça, c'est comme mon fils Tapon Junior, hein? Il va suivre les traces de son père. Bon, pour en revenir, j'ai des nouvelles à propos de ton dessin pour la campagne de publicité. Oh, Monsieur Tapon, hein? Je suis tellement content de vous voir. Ah. Ça va bien? Oui. Vous avez une belle cravate, hein? Ah. Vous avez du goût, vous, hein? Aucun doute, Léon. Ton fils te ressemble comme deux gouttes d'eau, hein? Bon, mais pour en venir à ton dessin, là, je l'ai envoyé à la compagnie de publicité par télécopieur. Ils sont emballés. Hein? Ils trouvent l'idée excellente. Et ils trouvent ça naïf. Félicitations. Bon, ben, tu peux réviser ton budget à la baisse. Ça va nous coûter beaucoup moins cher. T'as du talent, mon Robin. Je suis fière de toi. Et puis, j'aurais dû t'écouter, hein? La boîte du rire, c'est pas facile. Eh non, papa, tu vas voir, ça va marcher. Faut juste le dire ensemble. Bon, d'accord. Je veux retourner dans ma peau. De quoi tu parles, Robin? Je suis revenu dans ma peau. Mon petit comique, toi. Ben justement, je voulais te dire ça. C'est pas facile, ce que tu fais. Je suis fier de toi. T'as du talent, Robin. Ah, merci. Ben, c'est étrange. Il me semble que je t'ai déjà dit ça, non? Non. Tu m'as jamais dit ça. Mais pourquoi je dis ça? C'est drôle. On dirait qu'il se souvient de rien. Et toi, papa, quand t'étais petit, là... Est-ce que ton père, il voulait que tu sois comptable? Oh, non! Ton grand-père, Zéphyr, il avait des idées bien arrêtées sur moi. Imagine-toi donc qu'il voulait que je devienne éleveur de poules. Mais moi, c'est les chiffres que j'aimais. Ah oui? Oui. Mais moi, c'est pas vraiment les chiffres que j'aime. Mais maintenant, j'aime ça raconter des blagues, là. Peut-être que ça sera pas toujours comme ça, mais... En tout cas, une chose est sûre, je vais essayer plein de choses. Au fond, Robin... T'as raison. Alors, toi, t'aimes les blagues, les inventions. Moi, j'aime les chiffres, la musique classique. Ouais. Dans le fond, on peut aimer des choses différentes. Oui. Sais-tu, fiston? J'aime ça discuter avec toi. Moi aussi. Et j'aimerais ça qu'on reparle de la boîte du rire. Tiens, qu'est-ce que tu dirais si... si on préparait le souper ensemble, toi et moi, on pourrait continuer à en parler? Hey, c'est une bonne idée, ça. Tu vas vraiment m'écouter, toi? Oui. Allô? Allô?
c'est moi. Hey, Stella, tout est réglé. Je suis pas certaine de ça, moi. Attends, il y a quelqu'un qui veut te parler. Je sais que vous faites partie d'une organisation internationale de voleurs de radio. Ou bien se rapporte la radio à la boîte du rire. Ou bien... ça va aller mal. Et ça, ça va aller mal. Qu'est-ce qui se passe, Robin? Il faut que je parte tout de suite. Un instant, jeune homme. On vient de dire qu'on va préparer le souper ensemble. Tu restes ici. Bon, là, ça recommence. Papa, écoute-moi, là. Mais oui, mais on a dit qu'on préparait le souper ensemble. Mais oui, mais mon ami Stella, problème maintenant. On peut faire le souper plus tard. Regarde, tu me fais pas confiance, là. Bon, papa. J'aime ça parler avec toi, j'aime ça rester avec toi, mais là, c'est grave, là. Je peux pas laisser tomber mon ami. Bon, c'est d'accord, tu peux y aller. Oh. Mais à une condition. Laquelle? J'y vais avec toi. Oh, vite! On va te raconter en même temps. Faut l'excuser, hein? Vincent est un mordu du cinéma. Il se passe toujours dans un film d'espionnage. Moi, je faisais ça pour être certain de te rapporter la radio. Heureusement que vous êtes tombé sur des gens sympathiques. Ah oui, mmh. Sinon, j'aurais pu jamais la revoir. Je m'excuse. Est-ce que tu savais que la radio, elle est très, très belle? Ah oui, oui, je le sais. Bon, mais il ne reste plus qu'à partir. En tout cas, j'ai bien aimé donner un spectacle à la boîte du rire. Puis j'aimerais ça revenir, hein? Si mon père veut. On va en discuter ensemble à la maison, en préparant le souper. Si ton père dit oui, il n'y aura pas de problème. Mais... faudrait que tu trouves des meilleures blagues, là, qu'un comptable, c'est quelqu'un qui sait compter. Bon, ben, on va y aller. Bonjour, là. Travail, là. Hey, regarde ça, c'est beau. J'ai travaillé fort pour la retrouver, hein. Oui, mais tu sais pas comment t'y prends, Vincent, c'est pour ça. Ah oui? J'aimerais bien le voir dans ma peau, moi. Maman pour lui parler. Écoute sa musique classique. Non. Je vais attendre un meilleur moment pour lui parler. Il lit sa bande dessinée. Bon. Je vais lui demander ce qu'il a décidé pour la boîte du rire. Sacré Robert. Il a réussi à me convaincre. Je vais lui dire que je suis d'accord. Papa, je le dis! Eh bien, Robin et Léon ont l'air d'avoir du plaisir ensemble. Léon a enfin compris que c'est intéressant de parler avec son fils. En effet, Robin a réussi à bien expliquer à son père ses désirs et ses goûts à lui. Il a vu qu'il y a différentes façons d'établir une communication. Heureusement qu'il ne s'est pas découragé. Il a finalement trouvé des moyens d'avoir un père qu'il comprenne mieux. N'oubliez surtout pas de nous revenir pour une nouvelle et palpitante aventure de Robin et Stella. Attention les 100 watts, dans un moment, vous avez rendez-vous avec Marc-André.